Hey, tu vas à Dieji voir Nahir aujourd'hui? Chut, moins fort, Bruno. Tu ne peux pas prononcer son nom ici. Désolé. Je voulais juste voir cette femme que j'ai rencontrée quand je suis venu à Luanda. Je t'en ai déjà parlé. Oui, et tu ne parles que d'elle. Donc quand tu iras au Dieji... Parle moins fort. On pourrait y aller ensemble. Comme ça, tu vois Nahir et moi la nana. Je ne sais pas si j'y vais aujourd'hui. Je dois aller à l'école de Jordan voir si tout va bien. On y va après. Quand? Je ne sais pas, un autre jour. Tu as vu Rose? Tu sais où est-ce qu'elle est? Elle est là, dehors. Jordan, mon chéri, viens manger des fruits, viens. Maman, cette piscine, elle est trop bien. Cette maison est un palace, mon ange. J'étais folle quand j'ai vu que dans la douche, il y a de l'eau chaude et de l'eau froide. J'ai fini, je vais nager. Va. Oh, merci, Seigneur Dieu. Mes prières ont été exaucées. Rose, je dois y aller. Oh, mon amour, détends-toi, viens là. Viens. Viens, va mettre ton maillot de bain et viens te baigner avec moi dans la piscine. Je peux pas. Jordan commence les cours demain, je dois voir si tout est en ordre. D'accord, vas-y, mais ne tarde pas. Je veux que tu te baignes avec moi ici dans la piscine. On n'a jamais pris de bain comme ça, tous les deux. La piscine va pas bouger d'ici. On ira après, d'accord? D'accord, tiens. À toute. Mais ne tarde pas. Ne tarde pas. Jordan, chérie, attention à ta tête. Regarde derrière, attention. Viens nager, Bruno. Cette piscine, on dirait la plage bleue de Namib. Tu te souviens quand on y allait? Après, Jordan, après. Toi non plus, tu ne vas pas profiter de la piscine? Il n'y a que Jordan et moi qui savons ce qui est bon dans cette maison. Rose. Tiens, goûte-moi ce jus d'orange. Il est très sucré. Ivo n'est pas venu parler avec toi? Il vient de partir. Il s'est mis dans la tête qu'il devait aller à l'école de Jordan et hop. Il est déjà parti? Oui. J'ai dit que ça ne servait à rien, mais rien à faire. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour. Ivo, tu es enfin arrivé. J'ai vraiment besoin de te parler. Tu n'imagines pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as tellement manqué, ma petite Ivo, princesse de Luanda. Ne te fais pas d'idées. Ça suffit. Tu me manques, bébé. Ivo, arrête. Nous avons un problème à régler. D'accord. D'abord le divertissement et ensuite les problèmes. Allez, viens, on va Ivo, à la maison. Arrête. Je t'ai déjà dit que c'était grave. Nahir. Si c'est à cause de ma venue à Luanda avec mon autre famille, je t'ai déjà dit... Non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Nahir? Il s'agit de ton fils, Joël Kapala. Sandra Cordero. Un jour, c'est ma musique qu'on entendra à la radio. Bonjour. Je voudrais parler avec la maîtresse de maison. Avec qui? Avec la maîtresse de maison. Écoutez, si c'est pour vendre vos assurances et vos placements qui, selon vous, valent de l'or... Non, je ne veux rien vous vendre.
Je voudrais juste parler avec elle. Je ne vous ai jamais vu. Vous êtes de sa famille? Non, c'est pas ça non plus. Je suis... Je la connais juste... Je voulais juste voir la femme qui habite ici. Ok. Allez par là, du côté du salon. Elle est là-bas. Merci bien. Tu en es sûr? C'était Joël, mon fils, qui était là avec toi? À la porte de chez moi. Heureusement, il n'a pas vu toutes les photos de toi. Tu as eu de la chance. Je suis pas sûr d'avoir compris. Joël recherche une fille qui vit dans ta maison. C'est Jamila. C'était son amour de jeunesse. Oh. Et apparemment, pour lui, c'était l'amour de sa vie. Eh ben, il manquait plus que ça. Joël a la recherche d'une petite copine juste ici dans le quartier. On n'aura plus jamais la paix. Ah, Ivo, si Joël et Gerson se croisent et parlent, ils vont découvrir qu'ils sont frères. Nair, tu dois faire partir cette Jamila d'ici. Je sais. Je vais essayer de voir si elle peut déménager chez un cousin qui vit tout près. Essayez. C'est pas suffisant, tu dois l'acheter dehors. De préférence chez une de ses tantes là-bas, dans la banlieue de Namib, tu vois. Ça doit être une cliente. Je vais ouvrir. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi ouvrir la porte. Et pendant qu'il y sort, il met une affiche qui dit « Ici, on parle de problèmes de famille. Entrez, écoutez, c'est gratuit. » Ah, 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 c'est très drôle. Le problème est grave, oui. Mais arrêtez de servir les clientes, ça ne résoudra rien, tu sais. Il faut que nous trouvions une solution. Joël ne peut pas traîner du côté de chez toi. Hé, hey, hé hey. Tu fais quoi? Sors de là. Je vais appeler le 113, moi, bande de voyous. Et s'il n'y a pas de voyous? On fait que regarder, y a pas de souci, on va rien vous voler. Mais sors d'ici, je t'ai dit. Tu fais quoi, là? Désolé, mec, on faisait que jouer. Qui vous a dit que c'était un jouet? Je viens de perdre une cliente, Ivo, et c'est entièrement ta faute. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Ah oui, et tu vas faire quoi? Tu vas ramener ici ta femme et tes amis pour une épilation? Je ne parle pas de tes clientes. J'ai trouvé comment faire partir Jamila d'ici. Les petits ont déjà demandé pardon. Et s'ils abîment quelque chose? Bon, j'y vais. Mais ça, c'est pas à la communauté. Qu'en penses-tu? C'est pas une bonne idée. Donc, tu veux que je dise à Jamila que ta situation est compliquée, que tu vas rester quelques jours à la maison et que tu ne veux y voir personne d'autre? C'est parfait, Nair. Tu n'as qu'à tout mettre sur mon dos et comme ça, elle sera pas en colère contre toi et elle s'en ira. Je lui avais déjà mentionné que tu allais venir. Mais elle n'a pas parlé encore avec son cousin. Où est-ce que la petite va aller? Oh, Nair, ou bien tu protèges ta famille, ou bien tu protèges cette petite. Tu dois choisir. Tu te rends compte de comment est notre vie? Que des mensonges. On passe notre vie à mentir aux gens que nous aimons, nos amis, notre famille, les enfants. C'est pour le bien de notre famille. Cela fait depuis 20 ans que nous avons commencé cette série de mensonges, Ivo. Mais le pire dans tout ça, c'est que maintenant nous mentons pour couvrir les mensonges. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas encore défait mes valises, que nous avons déjà des problèmes. Cette avenue à Luanda, c'est une bombe à retardement. Elle est prête à exploser à n'importe quel moment, Ivo. On doit juste faire plus attention, Nair. Ce mur de mensonges va bientôt tomber, Ivo. Tout le monde va découvrir la vérité. Et quand ça arrivera, on recevra une pluie de pierres. Et la première ira directement dans le cœur de notre Gerson. T'inquiète pas. Tu as une autre famille, Ivo. Tu as quelque part où pleurer. De mon côté, je n'ai que Gerson. Quand il découvrira la vérité, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Attends, attends, Jamie. Tu me dis que ma mère ne veut plus de toi à la maison? Non, elle ne m'a pas dit ça, mais je l'ai senti dans les conversations, les commentaires. Il y a quelque chose qui va pas, là. Elle t'adore. Vous vous entendez bien, non? Oui, mais Nair, dernièrement, a été très bizarre avec moi. Ça doit avoir un rapport avec Ivo. Il est venu à Luanda. Mais toi, ne t'inquiète pas pour ça. Il reste pas plus d'un jour ici. Oui, mais c'est sa maison. Il a le droit de vouloir être en famille. Jamie, regarde-moi. Tu fais partie de la famille. T'es la sœur que j'ai toujours voulu avoir. Oh, merci, Gerson. Tu sais, depuis que ma grand-mère est morte, je n'ai jamais eu personne qui s'est occupé de moi comme ça. Sincèrement. Quelqu'un qui me fait un thé chaud le soir, qui me fait un gros bisou de bonne nuit. Comme ça? Et être ici avec vous, ça m'a fait me sentir comme ça, en famille. C'est bien ce qu'on dit. Les amis sont la famille que nous choisissons. Alors j'ai bien choisi. Évidemment.
Et écoute une chose, je te garantis, ma mère t'aime beaucoup. Elle ne te jettera jamais dehors, d'accord? D'accord. Viens là. Bon, je vais voir Mori à la cuisine, ok? Ok. William avait raison. Vous avez réussi à trouver exactement ce que je recherchais. Vous avez fait un très bon choix. Tout va bien se passer. Tout est organisé pour vous, Gregorio. Eh bien, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon numéro. Oui. Hey, William. Je t'appelais pour te remercier pour le contact de ton ami. Tout est arrangé. Et demain, Jamila va gentiment se blottir dans mes bras. Alors profites-en bien. Ça fait tellement longtemps que tu l'attends, cette nana. Tu dois en avoir des fourmis dans les doigts. Ouais, écoute une chose. Le mets le meilleur est celui qui mijote le plus longtemps. Et demain, je vais dire à Jamila ce qu'elle veut entendre. Et elle va me donner tout ce que je veux. Et c'est tout. D'accord, j'espère que ton plan va fonctionner. Après, on verra qui avait raison. Ou bien tu vas la voir, mais tu la laisses tomber après, ou bien tu es vraiment amoureux, comme je te l'ai toujours dit. Amoureux, moi, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est pas encore née, la femme qui me fera tourner la tête. Greg, il faut qu'on parle. Donne-moi 2 minutes, j'arrive. Raccroche, Greg. Très bien. S'il n'y a pas de problème à la douane, alors c'est parfait. Ok, merci. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue voir quel genre de mari va dormir avec moi aujourd'hui. Je te demande pardon. Je veux savoir si j'ai un mari dévoué ou un mari égoïste. J'avoue ne pas comprendre. Tu vas poursuivre cette idée idiote d'un voyage à Paris? Ou tu as enfin compris que je ne peux pas rester toute seule ici avec la campagne de Besport? Bianca, ce n'est pas une promenade, c'est une affaire importante. C'est la plus grande campagne de mon entreprise. J'ai fait un grand investissement, une méga production. J'ai bien essayé de le repousser, mais je n'ai pas réussi à le faire. Essayer, ça ne suffit pas, il faut réussir. Bianca, malheureusement, c'est impossible. Greg, je ne te le dirai qu'une seule fois. Si tu n'es pas là pour le lancement du nouveau visage de Besport, tu auras de graves ennuis. Tout est déjà prêt, non? Table dressée, plat au four. Nahir va être contente. Ouais. Et écoute, avant qu'on s'asseye pour dîner, moi je vais aller prendre un bain. J'ai envie de me rafraîchir. Et j'y vais, ok? Ok, moi je contrôle la cuisson. Bonsoir. Oh, Nahir, regarde, tout est déjà prêt. Oh, Jamila, il faut que je te parle. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, je ne sais pas comment je vais pouvoir te dire ça. S'est passé quelque chose? Ivo vient de me dire qu'il allait venir à la maison. Oui, tu me l'avais déjà dit. Le problème, tu vois, c'est que Ivo a un problème. Enfin, c'est un peu bizarre, Jamila. Quand je lui ai dit que toi aussi, tu étais à la maison... J'ai déjà compris. Tu veux que je m'en aille? Jamila, je t'ai ouvert ma porte avec toute mon amitié, mais Ivo ne va pas être à l'aise si tu restes. Nahir, c'est toi qui as raison. La maison est petite et après avoir été séparés pendant si longtemps, vous voulez rester tous les trois, non? Jamila, mais tu n'as pas besoin de partir aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, demain je serai déjà loin. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je vais devoir y réfléchir. Oh, tu pourrais peut-être en parler avec Nuno. Il est hors de question que je retourne chez Nuno. Jamila, c'est ton cousin, il est de ta famille. Désolée, Nahir, mais je ne veux pas aborder ce sujet encore une fois. Je me sens si mal de te faire ça, Jamila. Je sais. Ne t'inquiète pas. Bien sûr que je vais m'inquiéter. Enfin, quand je t'ai invité à vivre à la maison, j'ai dit que tu pouvais rester le temps Nahir, que tu voulais. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Mais quel genre d'ami je serais si je restais à t'empêcher de vivre? Hein? Chérie, quelle couleur? Celle-là, celle-là ou celle-là? Mais celle-là. Oui, ça me va très bien, oui. N'importe laquelle, mais n'importe laquelle. Je regarde le match, là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une nouvelle à vous annoncer. À partir de demain, une amie à moi va venir vivre avec nous. Pour quelque temps. C'est qui cette fille? Une future épouse. Elle est célibataire?
bonne chance. Je vous l'ai dit, c'est une amie. Et elle vient juste à Luanda pour travailler avec moi. Oh, ne dis pas ça. Est-ce que tu veux que j'achète un autre cadre pour mettre la photo de ta princesse? Maman peut se moquer et pas moi? Oui. Laissez Joël tranquille. Nina, Joël, raconte-nous s'il te plaît. Hein? Joël, mais pourquoi cette femme va pas dans un hôtel? Si c'est vraiment pas ta copine. Ce n'est pas ça, Bruno. Tu es devenu reporter de la vie des autres ou quoi? Non, je comprends ce que Bruno veut dire. Il veut simplement en savoir plus sur... cette mystérieuse femme. Ça, tu peux le comprendre. Oh là là, quel joueur. Et quel panier. Super panier. Tonton, il n'y a rien de mystérieux du tout. C'est une amie de longue date, c'est tout. C'est pour ça qu'elle va rester ici avec nous. Regarde ça. Je serai attentif. D'accord. Moi, je vais prendre ma douche. Okay. Bon, je vais me changer. Terminé. Et ensuite, on dîne. D'accord. Je peux entrer, Joël? Bien sûr. Alors, l'interrogatoire sur mon ami, c'est terminé? Ça y est. Mais j'aimerais qu'on parle ensemble de Jamila. Je n'ai pas grand-chose à te raconter, Nina. Alors, tu l'as déjà revue ou pas? Tu ne m'en as jamais reparlé depuis que tu l'as entendu chanter à la radio, là-bas, à Lubango. Tu étais totalement perturbée. Ouais. J'ai eu la chance de revoir Jamila ici à Luanda. Et comment c'était? Vous vivez déjà votre conte de fées? Ah, ne te fais pas d'illusions. Les histoires d'amour avec la fin heureuse n'existent que dans les films ou dans les livres. Ce n'est jamais aussi facile. Ça s'est si mal passé que ça? Disons que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Nos retrouvailles se sont passées dans un endroit vraiment bizarre. Mais où ça? Sur la baie? Sur l'île? Dis-moi! Dans les bouchons. Dans un embouteillage, Jamila passait par là et je l'ai vue surgir de derrière une voiture. Quoi? Si ça, c'est pas le ciel qui vous réunit tous les deux, je sais pas ce que c'est. J'ai pensé exactement pareil. Et quand j'ai vu Jamila, Nina, j'ai été sûr et certain qu'elle me plaisait encore beaucoup. C'est génial. Et elle? Bon, je crois qu'elle était un peu perdue. Elle ne m'a pas vue depuis des années. C'est normal. Tu crois que tu ne lui plais plus vraiment? C'est ça qui t'inquiète? Je ne sais pas vraiment. Le problème, c'est que je pensais qu'une fois qu'on se retrouverait, on serait ensemble. Mais c'est différent. Joël, les contes de fées nous apprennent aussi à nous battre. Ils nous montrent que nos peurs peuvent se transformer en victoire. Tu as vraiment raison, Nina. Mais peu importe ce qui va se passer, crois-moi, je n'abandonnerai jamais Jamila. Oui? J'ai une lettre pour Jamila Pereira. C'est moi-même. Signez ici, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Oui. Oh, bonjour, Jamila. Bonjour. Ça va? Il m'a semblé entendre la sonnette ou je suis encore en train de dormir, là? C'est pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Une invitation à une balade. Et alors, c'est qui ce mec? C'est Greg. Oh. Oh. Bonjour et au revoir, Walter. Oh. Où est-ce que tu vas de si bonne heure et si bien habillé? Je vais à Paris pour une réunion d'affaires. Je reviens dans 2 jours. Très chic. Et tu as besoin d'une valise aussi grande pour rester si peu de temps? Le service secret se serait-il implanté en Angola? Je sais très bien de quoi j'ai besoin. Et moi, tu sais de quoi j'aurais besoin? Je voudrais bien une miniature de la Tour Eiffel, une carte du Sacré-Cœur, et puis aussi, pourquoi pas, un petit croissant au chocolat. Je t'ai déjà dit que je voyage pour le travail. Je ne vais pas faire le tour des pâtisseries. À bientôt, Walter. Au revoir. Il est gris, tiens. Il y a des choses qui ne changent jamais. Même sans travailler, je me réveille toujours avant le lever du soleil. Merci.
Tu devrais peut-être penser à faire d'autres choses. Luanda a tellement d'opportunités. Comment ? Toute ma vie a tourné autour des moteurs, des outils. Ce n'est pas vrai, papa. Et le basket ? Papa, tu pourrais t'y remettre. Tu ne crois pas ? Joël, une passion est une passion. Mais le basket fait partie de mon passé. Oui, c'est vrai, ça fait partie du passé. Mais tu peux continuer à vivre un rêve qui, en réalité, ne t'a jamais quitté. Vous parlez de basket ? Je peux savoir de quoi ? Ou, comme toujours, c'est pas pour les enfants ? Tu peux et tu dois, Jordan. Tu trouverais pas ça cool de voir ton père faire quelque chose lié au basket ? Joël. Ouais, ce serait trop bien. Tu sais ce qui serait trop bien ? Que ton sac soit prêt. Aujourd'hui, c'est ton premier jour de cours. Hein ? Finis les vacances. Papa, ne change pas de sujet. J'aurais aimé qu'on dribble un peu tous les deux. Bonjour, désolée, je vous interromps. Tu es déjà allé à l'aéroport ? Ton invité t'attend. Hey, Claudia Rodriguez, enfin. Alors, tu t'es reposée pendant le vol ? Je suis pleine d'énergie. Sois la bienvenue. Je suis prête pour surprendre notre amie Bianca. Merci d'être venue, Claudia. Je sais que c'était très soudain, mais c'est le bon moment pour surprendre Bianca. Joël, les opportunités sont comme ça. Nous les acceptons ou pas ? Je ne pouvais pas refuser ta proposition. Et j'en suis très heureux. Viens donc manger quelque chose, on parlera plus tard. La dernière, c'est la mienne. Allez, tu grandis encore ? C'est quoi ça ? C'est quoi ces manières, hein ? Les femmes d'abord. Et voilà ma famille, tu vois. Ils parlent fort et sèment la pagaille à l'heure du déjeuner. J'adore, tu ne veux pas m'adopter. Dites-moi, excusez-moi, mais je reconnais votre visage. Papa, c'est Claudia Rodriguez, mon amie qui va vivre à la maison pour quelque temps. Non, 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 restez assis, je vais juste prendre un café. Alors viens t'asseoir. Mais attendez, Claudia Rodriguez, qui a joué le 1er août, c'est vous ? Vous avez bonne mémoire. Impossible d'oublier, vous dribbliez si bien que Nili Zaleski des Sparks pouvaient... Vous êtes célèbre ? Ah, Jordan, c'est une grande joueuse de basket. Ex-joueuse. Je vous ai jamais vu jouer. Tu ne t'en souviens pas, tu étais petit. Bonjour. 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 Ah, c'est vous l'ami de Joël, non ? Bienvenue. Merci. Et toi, tu dois être Nina. Ton frère parle de toi très souvent. Tu vois la responsabilité, hein, Nina ? Ne déçois pas. T'es trop drôle. Et Rose ? Elle dort encore. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir ce que Claudia est venue faire à Luanda ? Je suis venue collaborer sur un projet de Joël. Mais maintenant, vous travaillez dans la musique ? Non. Je suis professeure de yoga. La musique, ce n'est pas mon domaine. Vous devriez nous donner un cours à la maison. Vous pouvez arrêter de bombarder Claudia avec vos questions. Bien sûr, Joël. Ça me fait juste de la peine que votre carrière de basket soit terminée. Oui, je me souviens très bien du scandale qu'il y a eu. Quel scandale ? Ils m'ont arrêtée après un examen antidopage. J'y crois pas. Et donc, ma carrière a pris fin ce jour-là. Mais vous preniez vraiment de la drogue ? Non. Quelqu'un m'a piégée. Ça ne fait aucun doute. Dans deux jours, tout l'Angola parlera de la nouvelle campagne de Besport. Tu es vraiment enthousiaste, hein, Bianca. Je t'ai pas vu comme ça depuis l'époque de la campagne de cette joueuse de basket... Claudia Rodriguez. Ce n'est pas elle qui se droguait pour jouer au basket ? Et qui t'avait même accusé pour ça. Oui, je suis née pour être victime de l'incompétence des autres. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est maintenant ? Je ne sais pas. En ce moment, je ne pense qu'à Erickson Leal. Lui, c'est une grande star du basket angolais. Dis-moi, cette femme, Claudia, avant le scandale du dopage, elle n'était pas une des meilleures du pays ? Maman, ouais. Peu importe ce que nous avons été, l'important, c'est qui nous sommes. Elle a ruiné sa carrière et son image. J'étais innocente, mais je n'ai jamais réussi à prouver que j'étais victime d'un coup monté. C'est pour ça que votre carrière est terminée. Vous croyez que c'est un de vos adversaires qui a fait ça ? Vous aviez des ennemis ? Claudia doit être fatiguée. Exactement. Et ce n'est pas l'heure d'aller en cours, hein ? Mais oui, bien sûr que je suis nerveux. C'est mon premier jour dans cette école. Et alors, tu as toujours étudié, même si parfois on dirait pas. Jordan, ne t'inquiète pas, hein ? Tout va bien se passer. C'est ça, papa. Jordan, pense que tu vas jouer au basket et que tu es capitaine de l'équipe, hein ? Une équipe, c'est une union. Moi, je connais pas les autres élèves. Ça m'étonnerait qu'ils ne t'apprécient pas. Et si ça arrivait ? Jordan, tout ce qui en vaut la peine, ça fait peur au début, mais c'est une conquête à la fin. Vas-y, fonce, sans crainte. Vous pourriez être ma coach ? Vous savez comment me parler.
Allez, allez chercher vos affaires. Bon, et nous? On va travailler? D'accord. Dites-moi tout, quand est-ce qu'on va surprendre notre grande amie Bianca? Le jour du lancement de la campagne du nouveau visage de Baysport. Vous avez déjà décidé de quelque chose? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Voici la première partie du plan, Claudia. Écoute bien. Toujours en quête de puissance, hein, cousin? L'habitude du boulot, hein. Vu qu'on n'a plus de garage, je vais travailler dessus pour me distraire un peu. À moi aussi, il me manque beaucoup notre garage là-bas, à Lubango. Tu te souviens quand je suis venu la chercher à Luanda? C'est là que j'ai rencontré cette femme qui ne sort pas de ma tête. Je voulais te dire, hier je suis allé au Dieji voir si je la trouvais. T'es allé au Dieji? T'y es allé tout seul? Je t'ai dit qu'on irait un autre jour. Oui, mais t'es allé à l'école de Jordan, et moi sur les traces de la femme. Y a un problème ou quoi? Non, non, y a aucun problème. Mais tu l'as vue? Non, quand je suis arrivé chez elle, on m'a dit qu'elle était partie au salon de Nahir. Où ça? Le salon de Nahir? Oui, de ta Nahir. Et je crois qu'elle était partie pour se faire les ongles. Les femmes aiment prendre soin d'elle, tu sais. Quand je l'ai vue, elle était toute préparée. Tu connais son nom? Non, quand je suis arrivé, elle était déjà partie. Et même ta Nahir, je ne l'ai pas vue. J'ai même toqué à la porte. C'est toi qui... Enfin... Quelle coïncidence. Ouais. Et toi, alors? Aujourd'hui, tu vas voir Nahir? Non, je peux pas y aller tout le temps, sinon Rose va finir par se méfier. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais quand tu iras au Dieji, tu me le dis. Je vais aller faire le plein. Tu veux venir avec moi? Non, non, j'ai d'autres choses à faire. Allô, Nahir? Tu m'entends? Dis-moi, Ivo. Tu n'aurais pas déjà vu un homme qui s'appelle Bruno? Un homme assez grand, très musclé. Non? Mais pourquoi? J'avais une idée dans la tête. Je voulais mettre les choses au clair. Une idée dans la tête? Raconte-moi ce qui se passe. C'est un ami de Namib. Il m'a dit qu'il était allé au Dieji. Et je voulais être certain que tu ne l'avais pas vu. Je t'ai déjà dit que c'est non, Ivo. On en reparlera plus tard, d'accord? Allez, ciao. Ciao. Bonjour, Nahir. Bon, je vais m'organiser pour mon départ. Tu en as parlé avec Nuno? Je vais lui faire une proposition. S'il accepte, je retourne chez lui. Et s'il n'accepte pas? Jamila, je veux que tu saches qu'au fond de mon cœur... Je sais que tu ne voulais pas me jeter dehors. Mais je comprends, ton mari rentre à la maison. C'est normal que vous vouliez passer du temps en famille. Et après tout, je suis une adulte, tu sais, Nahir. Mais je m'inquiète pour toi, Jamila. Je vais bien. Oh. Et ce sourire, c'est pourquoi? Regarde-moi ça. Wow. Un billet vers le bonheur. Qui sait? C'est une invitation mystère pour une balade avec Greg. Waouh! Une balade mystère? Il a envoyé une invitation et tout? Eh bien, ça c'est vraiment un homme amoureux et romantique. Romantique, c'est vrai, mais aussi marié. Donc, qu'il garde sa passion dans la poche jusqu'à ce qu'il quitte sa femme. Il a l'air bien décidé à te conquérir, Jamila. Profite, parce qu'après la romance, c'est là que viennent les problèmes. Et qui te dit que je ne veux qu'un moment? Moi, je veux être heureuse. Si je dois attendre, alors je le ferai. Merci, c'était un plaisir de faire affaire avec vous. Tout est prêt. J'espère que vous aimerez. Ah, ça, je vais aimer, c'est certain. Au revoir. Cette nuit va être inoubliable. Bonjour. Alors, cousine? Tu es venue chercher des fringues ou me dire que tu m'adores? Je suis venue parler avec toi.
Vas-y, dis-moi, mais fais vite. Et je dois aller travailler. Bon, alors je vais être directe. Je veux savoir si je peux revenir à la maison. Je le savais. Je savais que tôt ou tard, ta colère allait passer. Je n'ai pas oublié que tu as fait du chantage à Greg me concernant. Jamila, on va oublier cet épisode tous les deux. Tu viens quand tu veux, la maison est à toi. Oui, car si les choses se passent comme je les imagine, je n'aurai pas à rester très longtemps. Pourquoi ? T'as vendu des milliards de disques sur la place de l'Indépendance ? Je savais pas. Mon projet avance très bien, merci. T'as déjà l'argent pour louer une maison ? Tu penses vivre avec quelqu'un ? C'est Joël ? Ou tu te fais encore des idées avec Greg ? Nuno, on va établir des règles de vie. Tu ne te mêles pas de ma vie et je ne me mêle pas de la tienne, tu es d'accord ? D'accord, des règles. Je peux donner mon opinion ? Je n'aime pas trop que ma chère et unique cousine soit la maîtresse d'un pauvre Don Juan. Oui, mais je ne serai la maîtresse de personne. Allô, ça va? Allô, voix d'or, as-tu reçu mon invitation? Je l'ai reçue, oui. J'ai vu l'adresse et je me suis posé des questions. Tu sais comment venir ici? Oui, je vais venir, sans problème. Bisous. Je t'embrasse. Alors, c'était qui? On vient de décider que personne se mêlera de la vie de l'autre. D'accord, tu as raison. Mais comme tu parlais d'aller quelque part, je pensais que je pouvais te déposer. Pas besoin, merci. D'accord, alors, je vais y aller. Où est-ce que j'ai mis les clés de la voiture? Je sais pas, je crois pas t'avoir vu avec quand je suis rentrée. Je suis en retard, cousine. Aide-moi à chercher, s'il te plaît. Va voir dans la chambre pendant que je cherche ici, dans la salle, d'accord? Oh, la tête en l'air. Elle n'est pas dans la chambre. Va voir dans la salle de bain. J'ai trouvé. Et elles sont ici. Alors, petite tête, elles étaient où? Elles étaient là, sur le canapé, ici. Et je vais travailler. Ciao, bisous. Allez, on va à Musicao. Si tu as besoin de quelque chose, tu appelles. Ok, ça marche. Reposez-vous et profitez du merveilleux soleil. C'est ce que je vais faire. Oh, dis-moi, Joël, il n'y aurait pas un terrain de basket pour faire quelques dribbles? Il y en a un, mais c'est un peu loin de la maison. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Claudia. Laisse-moi te présenter Rose, la femme de mon père. Bonjour. Rose, enchantée. Voici Claudia, mon amie, qui va vivre avec nous quelque temps. Oh, Claudia, vous allez adorer. Les matelas de cette maison sont si moelleux qu'on dirait de la mousse de savon. Tu vas à la piscine? Bien sûr, l'eau de cette maison est merveilleuse. Ah. Ciao, ciao, mes amours. Bon, on y va. À plus tard, Claudia. À plus tard. À plus tard. Vous m'avez bien comprise. Aujourd'hui, vous dormirez chez vos grands-parents. Pourquoi? On va jamais là-bas. Anna, tu sais, il y a une première fois pour tout dans la vie. On peut pas y aller juste un moment et après rentrer. J'aime pas dormir loin de toi, maman. Daniel, si tu fais un cauchemar, appelle mamie Soraya. Aujourd'hui, je ne peux pas, mon fils. C'est important que vous passiez du temps en famille. C'est bien de créer des liens avec eux. Que vous créiez des liens ou pas, faites ce que vous voulez. Mais je veux vous voir ici demain, après l'école. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut pas rester là? Anna, ma fille, profites-en pour passer du temps avec tata Bianca, prends note de son style et élégance, parce que tu en as besoin, ma fille. Et moi, je fais quoi? Daniel, chérie, je suis certaine que tu vas trouver une manière de t'occuper. Allez, on y va, levez-vous, préparez vos sacs pour ne pas arriver en retard à l'école. On y va. Allez, allez. Dis-moi, il va se passer quelque chose ici que je devrais savoir. Je prépare une nuit spéciale avec Carlos. Je suis contente, ma fille. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as des doutes, des conseils... Si tu arrives à faire sortir papa, maman, ce serait vraiment génial. Tu as déjà pensé à ce que tu vas faire pour cette nuit spéciale? Je ne vais pas te donner les détails.
Je voulais juste savoir si tu avais suivi mes conseils et changé quelque chose dans la chambre, la décoration. Maman, je ne veux pas parler de tout ça. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi tu ne veux pas parler? De sac à main, papa. Moi et maman, on a des goûts complètement différents. Je ne sais pas pourquoi elle insiste. Je voulais juste avoir des conseils de mode de notre fille. Je voulais être jolie pour toi ce soir. On sort dîner? C'est pas possible, chérie. Il y a l'ambassadeur Santiago de notre délégation de Paris et je dois l'accompagner. Ah, je vois. Alors tu vas sortir dîner avec lui, tu vas boire un verre. Ces soirées durent toute la nuit. Tu fais bien, papa, tu fais bien. Le pauvre, lui, à Paris, il ne voit que des défilés de mode. Il va pouvoir se décontracter un peu. Chérie, on fera ça un autre jour. Ciao. Te voilà tranquille. Moi, j'organise quelque chose loin de la maison toute la nuit. Ta soirée avec Carlos est garantie. Et Greg? J'ai besoin qu'il signe quelques documents. Si c'est urgent, le mieux, c'est que tu ailles à Paris. Il est parti aujourd'hui pour un voyage d'affaires. Et tu l'as laissé partir. Tu te rends compte que dans deux jours, tu lances la nouvelle campagne de Besport? Oui, j'ai le menacé. S'il n'est pas présent à l'événement, Greg le sait. C'est un homme mort. Sois la bienvenue. Alors, qu'est-ce qui se passe? La balade surprise, c'est ça? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en dis? Le bateau est très beau. C'est ma nouvelle maison. Quoi? J'ai fait ma valise et je suis parti. Je vais divorcer d'avec Bianca. Je te le jure, Jamila. À partir d'aujourd'hui, je suis un homme libre. Libre pour toi. Mais tu as quitté ta femme comme ça? Soudainement, d'un jour à l'autre? Je n'en pouvais plus, tu sais. Sa voix, ses manies, ses gestes. Il arrive un moment quand tu n'aimes plus la personne qui est à tes côtés, tout t'irrite. Je ne sais pas quoi dire. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec cette femme et rêver tout le temps de toi. Et elle? Comment Bianca a réagi? Comme je l'imaginais. Elle a voulu m'empêcher de partir, m'a menacé, mais c'était inutile. J'ai pris ma décision et je suis prêt à vivre ma nouvelle vie. Mais tu vas vraiment vivre ici, dans un bateau? Ici, j'ai le soleil, la paix, un lit confortable et en plus de ça, je tais-toi. Pas vrai? Tu aimes ma décision? Bien sûr. Enfin, tu sais que j'attendais que quelque chose se passe, mais pas si rapidement. La vie passe à toute vitesse, Jamila. La vie est courte. Et je veux passer le reste de mes jours avec toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de choses. Je suis là. Libre et prêt pour être heureux avec toi. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu as préparé pour aujourd'hui? Pour commencer, m'accompagneriez-vous pour une balade en mer, Jamila? Évidemment, capitaine. Quoi? La pub à la télévision avec Erickson Leal n'est pas prête? Madame, elle est presque prête. Le studio n'a pas fini de monter la vidéo. Je déteste les presque. Tu sais, Marcos, tu pourrais être presque bon, presque nécessaire, presque efficace, mais tu ne l'es pas. Écoutez-moi, nous avons 48 heures pour lancer cette campagne de Besport et pas plus. Concernant cette campagne, ai-je terminé de parler? Est-ce que par hasard ma phrase aurait un point final? Désolée, madame. Ceux qui n'ont pas la capacité de supporter ce rythme peuvent présenter leur démission. Allez, là, continuez de travailler et de paraître efficace. Madame, vous avez reçu pas maintenant. Du courrier. Nuno, dans mon bureau, maintenant. Oui, madame. J'ai besoin de ton aide. Je veux que tu...
tu contrôles ton ami Erickson Leal. Il y a un problème? Il te cause des ennuis? Non, mais il est paresseux et j'ai peur qu'il ne vienne pas au shooting. Assure-toi que ça n'arrivera pas. Très bien, je contrôle la situation. Et Greg, il doit quitter le pays. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de tout le monde ici. Monsieur Gregorio est en voyage? Oui, il est à Paris, en voyage d'affaires. Não quero pensar em nada.